monde, on part aujourd'hui pour un road trip. Je suis pas encore parti de chez moi et il y a déjà une montgolfière. Voilà. Donc déjà un truc de bien voir. Je sais pas si vous voyez, il a allumé le feu. Voilà, je vous explique un petit peu. Attendez que la voiture passe. Je vais vous expliquer un petit peu rapidos pourquoi je filme. En fait, tout d'abord, c'est parce qu'il y a un magnifique paysage. Voilà, donc je suis Niederbronn, si je me gourre pas. Non, Reichshofen. Et donc, je vous explique, vous voyez le petit panneau là-bas, Alstom. Bah en fait, c'est là où j'aurais dû faire ma formation en fait, mais finalement, j'y suis pas allé. Voilà, on est encore à Reichshofen et je sais pas si vous voyez, il y a une magnifique vue avec une petite église. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu la différence, c'est que je bouge plus en fait quand je tiens la caméra. Simplement parce que j'ai acheté un nouveau trépied. LOL. Voilà. Voilà, je suis à présent dans un truc qu'on pourrait appeler un monument aux morts. Donc je vous ai pris quelques photos, je vous les mettrai. Donc là, il y a les dates 1970-1870. Et je vous ai pris les photos justement du petit panneau là-bas qui expliquait un petit peu qu'est-ce que c'était. Voilà, je trouve un pommier, choper une pomme et puis bah, ce sera pour le goûter. Vraiment belle celle-là, hein, franchement. Je sais pas ce que j'ai avec les églises, mais chaque fois que je vais en filmer une, je suis en contre-jour. Donc, je sais plus comment ça se fait, mais voilà. Je suis à Wörth maintenant. J'ai descendu une petite pente de 9 degrés, donc ça descendait pas mal. Pendant environ 30 secondes, j'étais en train de descendre, donc j'ai bien crié, je me suis bien défoulé. Et du coup, ça fait du bien, ça fait bien plaisir, ça détend bien. Et là, il y a une petite boutique de souvenirs, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans, si je peux pas trouver un petit patch à accrocher sur ma sacoche. Voilà, je vous reprends tout de suite après. Je me suis arrêté sur la route là, qui longe un petit peu le chemin que je prends. Et je suis tombé là-dessus. Donc comme vous savez, je suis un grand fan des bunkers. Et même si vous ne le savez pas, ben, maintenant vous le savez. Et du coup, ben j'en profite pour vous montrer un petit peu comment il est. Par contre, il est dans un piteux état. Je pensais que je pouvais rentrer dedans, mais... apparemment non. Ouh, faut que je fasse gaffe parce que c'est très escarpé. C'est comme les escarpins. Blague de merde. Ouh, punaise, faut que je fasse gaffe moi. Pas mal de rochers. Je pense que je vais m'en ramener un. Peut-être pour chez moi. Ouh.
Ouais, faut vraiment faire gaffe, hein. Tout petit, hein. Tout petit et aussi doux. Voilà, j'ai ma petite frontale. Ouais. Donc là, elle est à 100% la frontale. Hein. 50% de qualité des AVB. Ah, c'était plutôt cool. En fait, on est même cosy dedans, en fait. Limite, je pourrais habiter dedans, ça ne me dérangerait même pas. Moi, c'est un peu fort, mais... ouais, c'est limite, je touche le plafond, mais... ça va, quoi. La petite porte, évidemment, qui se ferme pas. Parce que sinon, ce serait... mieux que ça. Voilà, une espèce d'évier ou je sais pas quoi. Non, je pense que c'était pour poser les armes dessus. Donc voilà. Je suis un petit peu fatigué. Je commence un petit peu à fatiguer. Tout simplement parce que ça fait depuis 8h ce matin que je pédale quasiment. Et là, il est midi 5. Donc je commence à fatiguer un petit peu. J'ai peut-être fait 25 km. J'ai un petit peu mal aux jambes. Mais ça va, je peux continuer. Ouais. Donc je vais vous faire quelques petites photos et puis je vous reprends tout de suite après une fois que j'ai fait ça. Voilà. À présent devant un fort de la ligne Maginot. Donc pour ceux qui voient à peu près où c'est l'Alsace, hein, donc c'est tout au nord de l'Alsace, quasiment la frontière. Et du coup, en fait, j'ai eu l'occasion une fois de visiter à l'intérieur quand j'étais en troisième. Et franchement, ça m'avait bien plu. Tout simplement parce que c'est tout bien rénové à l'intérieur et tout. C'est vraiment comme à l'époque.